Souvenez-vous de tout ce que ça a causé quand même. On en est là à cause de ça, non? Je me trompe ou pas? Non, mais là, je deviens hors de moi. Hein? Quand je pense à vous, hein, oui, enfin, alors vous marquez comme ça sur vos plaques d'immatriculation, je me souviens, mais permettez-moi de vous dire. N'a jamais existé, ils s'en souviennent. Bon, bien. Alors maintenant, on va faire un sketch autorisé. Hein? Le sketch, tiens, sur le bord du voile. Voilà, ça c'est très bien. Ça on va reprendre ses esprits, on se calme et on applaudit tout de suite le conseil de classe. Ouf, putain, j'arrive en retard là. Oh, 5-0 pour les Canadiens. 5-3, combien d'années? Je sais pas. Putain, j'ai tombé. Donc, merci à tous les parents d'élèves d'être venus à ce conseil disciplinaire. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis le professeur principal, et monsieur Lebozy. Et Lebozy, voilà, et non pas Lezobi. Et comme vous verrez marqué un peu partout dans l'établissement. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour aborder bien sûr le cas de la jeune Rachida, et Rachida Makhlouf, qui, je vous le rappelle, est venue lundi dernier au cours de Madame Lebozet, et un anglais, avec la capuche islamiste sur la... le voile islamiste sur la... Je vous rappelle qu'en France, nous sommes dans une école laïque, où tout signe religieux ostentatoire est proscrit, et dans la sphère publique. Donc, je vais commencer. Christiane, je te coupe. On va commencer par donner la parole donc à Monsieur Makhlouf, le papa de Rachida, et qui va nous expliquer les origines de cette tradition, et la stratégie, les objectifs de tout ça. C'est chiant, bon mais c'est bon, ça. Franchement, toi Georges, je parlerai chez toi, je parlerai comme ça. C'est pourquoi tu fais les problèmes.